L'opposition peut-elle peser davantage en Russie? Alors que de nombreux partis n'avaient pu être enregistrés en vue de la présidentielle, la Douma, la chambre basse du Parlement russe, adopte une nouvelle loi. Elle abaisse de 40 000 à 500 le nombre de membres requis pour créer un parti politique. En décembre dernier, face à des mouvements de contestation massifs, le président russe Medvedev avait promis une réforme complète du système politique. Je salue aujourd'hui cette première réforme qui intervient notamment suite aux revendications des citoyens et de l'opposition. Si elle n'est pas suivie d'autres réformes, alors bien sûr, elle ne fera qu'entretenir le monopole du pouvoir. J'espère que ce ne sera pas le cas. Autre promesse du président Medvedev, l'élection des gouverneurs au suffrage universel direct et un assouplissement des règles d'enregistrement des candidatures à la présidentielle. Pour l'heure, ce texte n'est pas une victoire, selon le chef du Parti libéral, car d'autres lois empêchent la constitution de blocs électoraux. La coalition multipartite est pour de nombreux opposants la meilleure stratégie pour contrer l'hégémonie de Vladimir Poutine.